historia, alma gemela, sueños al final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar y dime quién eres. Allez à cette adresse, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, mademoiselle. Vous êtes ici pour des vacances? En quelque sorte. Et c'est la première fois que vous venez sur l'île? Oui, c'est la première fois. Bienvenue. Natalia. Merci d'être venue, je suis si contente. Je suis contente, moi aussi. Merci à toi de m'avoir invitée. Je n'arrive pas encore à y croire. Après toutes ces années, nous voilà réunis. Depuis tout ce temps, j'avais perdu tout espoir que tu répondes un jour à mes courriels et que, d'ailleurs, je n'étais même pas sûre d'avoir ta bonne adresse mail. Je sais. Je te demande pardon. Non, ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est qu'on soit là, toutes les deux, de nouveau réunies. C'est tellement merveilleux. J'ai l'impression de rêver, je n'y croyais plus. Et regarde comme tu es. Véronica, comme tu es belle. Toi aussi. Mon Dieu, si tu savais comme tu m'as manqué durant toutes ces années.
Et je me suis mariée il y a 3 ans. Ta belle famille est très riche, alors, si elle possède les hôtels Esquivel. Et donc, tu as épousé le fils? Oui, l'aîné des 2 fils, et il s'appelle Felipe. Bonjour. Bonjour. Oui, on se tient au courant. D'accord. Je peux entrer? Bien sûr. Est-ce que notre cher vice-président aurait 5 minutes pour prendre un café avec un ami? Non, désolé, Yvan, pas maintenant. Quel idiot. C'est pas un café dont tu as besoin, mais d'Armentan. Tu t'es encore disputé avec ta femme, n'est-ce pas? Bon, vas-y, je suis là pour ça. Ça soulage, ça fait du bien de pester un peu sur les femmes, de les critiquer. Et pour faire ça, rien de tel qu'un ami célibataire comme moi. Alors vas-y, je t'écoute. Est-ce que ça va? Ça va. Ça va, ce n'est rien. Merci. Continue. Raconte-moi tout. Quel âge a-t-il, ton cher et tendre? Il a 40 ans. Et vous avez des enfants? Non, pas encore. Mais Felipe est un homme divorcé et il est déjà père de 2 ados avec lesquels je ne suis pas en bonne entente. Véronica est incroyable. Tu veux savoir la dernière? Il y a 2 semaines, je lui ai annoncé que nous fêterions l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Eh bien, elle n'a rien trouvé de mieux que de partir en spa jusqu'à samedi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que veux-tu que je te dise? Il est impossible de la raisonner. Je lui ai dit non, mais elle est partie quand même. Je comprends mieux pourquoi tu es dans cet état. Et ce n'est pas la première fois, Yvan. C'est à croire qu'elle cherche par tous les moyens à me contrarier. Ça devient de pire en pire. Vraiment, j'en arrive même à me dire qu'il vaudrait mieux... vous séparer. C'est ça? Bon. Alors, je peux peut-être t'aider. Et figure-toi que... la semaine dernière, j'ai rencontré un super avocat au club. Très bien. Et pas très cher. Tiens, je t'envoie ses coordonnées. César Aragon. Voilà, tu les as. Enfin, je te dis ça pour t'éviter de passer par un avocat de la société, parce que ça pourrait être gênant. Je n'ai pas encore pris ma décision. Je suis persuadé que si tu as déjà pensé à la séparation, alors ta femme aussi. Et quand est-ce que je vais pouvoir faire leur connaissance? Tout comme moi, ils doivent avoir hâte de rencontrer leur tante par alliance, non? En fait, Natalia, ils ne sont pas au courant. Personne ne sait qui tu es. C'est pour ça que je t'ai demandé de ne rien dire de notre rendez-vous. Il est évident que cette histoire de spa n'est qu'une excuse pour éviter mes enfants. Elle ne fait aucun effort pour passer du temps avec eux. Il faut dire que Gabriella et Lucas ne sont pas très faciles non plus. Felipe! Bonjour, Julieta. Ah. Tu connais Yvan? Oui, nous avons déjà été présentés. Bonjour. Bonjour. Je vois que tu allais sortir, mais je dois te parler de quelque chose. De quoi? De travail. J'ai dû faire une modification dans le budget et j'ai besoin de ton accord. Est-ce qu'on peut voir ça un autre jour? Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Entendu. Mais alors... quand pourras-tu m'accorder 10 petites minutes? Même durant le week-end, si tu veux, ça ne me gêne pas. Je t'appelle. D'accord, alors j'attends ton coup de fil. Cette femme est folle de toi. Yvan, Julieta est une amie de la famille depuis toujours. Oui, peut-être. Mais vu la sensualité de sa démarche, je dirais que... Écoute, Yvan, Julieta ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est clair? Très clair. Bon, ok. Je n'ai vraiment pas la tête à penser aux femmes. J'ai déjà assez de problèmes avec Véronica et mes enfants. Et même s'ils ne sont pas toujours faciles, ce sont mes enfants. Attends, ne le prends pas mal. Je n'ai pas dit ça pour défendre Véronica. Je dis simplement que les choses ne doivent pas toujours être très faciles pour elle non plus. Et puis elle est encore très jeune. Oui, je sais, je sais. Mais je ne lui demande pas de remplacer leur mère. Et en fait, elle n'a aucune idée de ce que c'est que d'avoir des enfants. «
Tu sais, les choses ne vont pas très bien entre Felipe et moi. Je crois que ce ne serait pas vraiment le moment de lui annoncer une telle nouvelle. Je ne sais pas comment il réagirait si je lui révélais aujourd'hui des choses de mon passé dont je ne lui ai jamais parlé. Comme mon existence. Sache que durant toutes ces années, j'ai tout fait pour essayer d'effacer de mon esprit toutes ces souffrances. Et si j'ai choisi de ne pas répondre à tes messages, c'est parce que tout ce qui pouvait venir de toi me faisait aussi revivre le passé. Alors qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Pourquoi est-ce que tu m'as recontactée? J'ai un petit garçon de 8 ans. Il y a une dizaine d'années, je vivais avec un homme qui s'est révélé être agressif, jaloux et violent. Et alors que mon fils n'avait que 11 mois, il me l'a enlevé. Je n'ai jamais osé aller à la police, j'étais trop effrayée. J'avais tellement peur qu'en le dénonçant, ensuite il veuille se venger sur moi ou sur mon fils. Mais Natalia, je n'ai jamais cessé de le rechercher. Et j'ai retrouvé sa trace il y a quelques mois, il est au Panama. Et alors, ça y est, tu as réussi à le contacter? Non, pas encore. Je dois faire attention, je ne veux pas alerter son père et je ne veux pas non plus que Felipe l'apprenne. Mais comment ça? Ton mari n'est pas au courant? Il est loin de l'imaginer. Il fallait que je lui mente pour préserver la vérité. Je lui ai même dit que j'étais dans un spa pour quelques jours et non ici. J'étais obligée de lui raconter ça pour pouvoir te voir. Sinon, j'aurais eu droit à trop de questions embarrassantes. Bonjour. Merci, Santos. Le pire, c'est que, quand on y pense, Veronica a tout ce qu'il lui faut. Elle ne manque jamais de rien. Elle a de l'argent, je ne la surveille pas, elle est libre, je ne vois pas ce qu'elle peut demander de plus. Ce n'est pas seulement ta femme qui a un problème, ce sont toutes les femmes. Oui. Elles ne sont jamais satisfaites. Si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Elles en veulent toujours plus. Peut-être que t'as raison et qu'elle veut une séparation. Ce qui expliquerait pourquoi elle est aussi froide avec moi. Ou bien alors, elle a un autre homme. Je ne comprends pas, Veronica. Pourquoi tu ne lui as jamais dit la vérité? Enfin, tout ça n'est pas de ta faute. Natalia, tu ne connais pas toute la situation ni la famille de Felipe. Si aujourd'hui je lui disais la vérité, il demanderait très certainement le divorce. Et je ne suis pas sûre de pouvoir le supporter. Mais tôt ou tard, il le découvrira, puisque tu veux récupérer ton fils. Non. Pas le récupérer, je veux juste le voir, lui parler, lui offrir de beaux souvenirs avec sa maman, lui assurer une sécurité financière. Attends. Tu ne veux pas... Non, Natalia. Je ne le verrai pas grandir. J'ai un cancer. Natalia, je n'ai plus que 6 mois à vivre. Bonjour, monsieur Felipe. Bonjour. Vous prendrez un café? Oui. Et quelque chose à manger. Un petit plat rapide. Oui, désirez-vous du poisson ou de la viande? Peu importe. Moi, je prendrai une bière. Oui, monsieur. Mettez-en deux. Et oubliez le plat. Et le café. Deux bières, alors. Très bien, messieurs. Possible, Veronica. Il doit bien y avoir un traitement efficace contre ta leucémie. Non, et je ne veux pas subir de traitement lourd. Je veux juste laisser faire la nature. Mais enfin, pourquoi? Tu dois réagir, te battre. Tu peux y arriver. Tu peux le faire pour toi, ton mari, ton fils, pour nous. Tu ne peux pas te laisser abattre si facilement. Tu ne seras pas toute seule. Je serai avec toi tout le long. Je t'aiderai, je te soutiendrai, je t'encouragerai. Je serai toujours à tes côtés. Et puis, si tu veux, on peut chercher un autre médecin. Non. Je ne veux pas vivre selon les règles imposées par un médecin. Je veux finir ma vie selon mes propres règles. Est-ce que tu peux comprendre, Natalia? Mais, alors dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin de ton aide. Je dois partir de la maison pendant une semaine sans que Felipe s'en rende compte.
Les choses ne vont pas très bien entre nous ces derniers temps, et je ne veux simplement pas partir comme ça si longtemps sans lui donner aucune explication valable. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu acceptes de prendre ma place pendant une semaine, Natalia. Juste une semaine. Alors, Felipe, où en est-on concernant la venue des investisseurs? Tout est en ordre? Lundi, il y a la réception avec l'ambassadeur Rocha. Et jeudi, celle avec les investisseurs. Ne t'inquiète pas, je supervise le tout. Très bien. La future santé financière de nos hôtels dépend de la journée du jeudi. Il faut que ça se passe bien. Ça se passera bien. Sois tranquille. Bien. Lucas? Lucas. Lucas, tu peux ranger ça? Nous sommes en train de dîner. Range ce téléphone. Je le rangerai quand grand-père et toi arrêterez de parler boulot. Range ça ou je te le confisque. Ça va, deux secondes. Allez, range-le, t'es sourd ou quoi? Pour qui tu te prends? Rends-moi ce téléphone, c'est pas tes histoires. Ça suffit. Oh, du calme maintenant, t'as compris? S'il vous plaît, ne nous disputons pas aujourd'hui. Est-ce que l'on pourrait avoir un repas agréable? C'est l'anniversaire de ta sœur. Voilà, Felipe. Un homme posé et un grand travailleur. Il travaille même un peu trop, je dirais. Il passe plus de temps à son travail qu'à la maison. Natalia, il faut que tu écoutes attentivement tout ce que je vais te dire. Il est impératif que tu retiennes toutes ces informations. Nous avons seulement jusqu'à samedi pour en faire le tour. Alors, ça c'est Lucas. C'est l'aîné de ses deux enfants, il a 17 ans. Il termine le lycée, il est en terminale. Et voilà Gabriella. Elle a 15 ans et demi. Non, elle en a 16 maintenant. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et comme je te le disais, je ne m'entends pas très bien avec eux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gabriella, joyeux anniversaire. Natalia? Ouhou, est-ce que t'es là? Tu m'écoutes? J'étais en train de me demander, depuis quand est-ce que tu organises tout ça? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est juste que tu as pris le temps de réunir toutes ces informations et toutes ces photos. Je me suis dit que tout ça risquait d'être un peu compliqué. Si j'ai pris le temps de mettre toutes ces informations dans cette tablette, c'est pour que les choses soient plus faciles. Oui, mais je suis sûre qu'il y a une autre option. Il faut que tu dises à ton mari que tu es malade. Il réagirait comme toi, il voudrait qu'on cherche un autre médecin, qu'on essaie de nouveaux traitements. Pourquoi faire? Pour passer mes 6 derniers mois dans un lit, sans cheveux, sans pouvoir marcher, sans pouvoir parler ni rien faire? Et à attendre la mort dans la souffrance, la tristesse, la terreur, et le pire dans tout ça, c'est que je ne verrai pas mon fils. Natalia, il n'y a qu'une seule personne qui puisse m'aider sur Terre. C'est toi. Gabriella, as-tu raconté à ta grand-mère ton exposé de science? Non, elle ne m'a rien dit. C'est parce que c'est sans importance. Elle a eu la meilleure note de sa classe. De sa classe? Je pensais que c'était de toute l'école, moi. Ma petite Gabriella, pourquoi tu ne te trouverais pas un mec pour lui donner ta virginité? Ça te rendrait peut-être un peu moins coincée. Non, mais tu n'as pas honte. Oh mon Dieu, honte de quoi? De parler de virginité? Non, ne me dis pas que tu ne sais pas ce que c'est, grand-mère. Lucas. Alors là, ce serait un comble. Lucas. Qu'est-ce qu'il y a? On est en train de parler de sexe, et alors? Il s'agit de quelque chose dont nous avons tous besoin et envie. Est-ce que tu veux bien te taire? Je n'en reviens pas que tu sois aussi insolent. Ah, vraiment, ça t'étonne. Hein? Lucas, tu fais le malin, mais nous attendons avec impatience le moment béni où nous pourrons être fiers de toi. Ça viendra, va. T'inquiète, grand-père. Tu entends? Je te l'ai déjà dit 100 fois, tu dois être plus dur avec ce gosse. Envoie-le dans une école militaire. Papa, je m'en occupe.
S'il te plaît, je t'ai déjà demandé de ne pas t'en mêler. Ah. Nous reparlerons de ça plus tard, t'entends? Et comment tu veux faire? Tu veux que je prenne rendez-vous avec ta secrétaire ou alors... Ça suffit. Bien, et pourquoi Véronica n'est-elle pas avec nous? Emilia et Antonio ne m'ont jamais tout à fait accepté, mais nos rapports sont diplomatiques, je dirais. Est-ce que tu as des questions? Natalia, as-tu des questions à me poser? Je peux pas faire ça. Non, écoute, c'est absurde. Je peux pas te remplacer. Nous sommes tellement différentes. Dès l'instant où je serai chez toi, tout le monde s'en rendra compte. Natalia, ils ne savent même pas que j'ai une sœur jumelle. Alors comment pourraient-ils l'imaginer? Mais il n'y a pas que ça. Si tu vas toute seule au Panama, qu'est-ce qui se passera si tu as un problème? Personne ne sera là pour t'aider. Natalia, je comprends que ça te rende nerveuse, mais c'est bon. Je pense qu'on devrait en parler à ton mari et... Je ne veux pas qu'il soit au courant. Je te l'ai déjà dit, je refuse catégoriquement. Lui et sa famille me sauteraient dessus comme des chiens et me laisseraient sans le sou. Et au final, c'est mon fils qui en pâtirait. Je ne te demande rien de compliqué, c'est juste pour une semaine. Pourquoi ne veux-tu pas me donner juste une semaine? Tu me dois bien ça, Natalia. Après tout ce qui s'est passé, tu te souviens? Non mais qu'est-ce que tu cherchais au juste? Hein? Dis-moi! Tu voulais gâcher l'anniversaire de ta sœur, c'est ça, Lucas? Et aussi insulter ta grand-mère? Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Où tu vas? Je t'ai dit que nous allions avoir une conversation. Alors viens par ici, et assieds-toi. Écoutez, je sais que d'avoir été obligé de venir vivre avec moi n'a pas été facile pour vous, je le sais. Vous avez dû vous adapter à un nouveau pays, à une nouvelle école, à moi, au fait que je sois remarié. Et je sais bien aussi qu'avec mon travail, je n'ai pas beaucoup de temps avec vous. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme s'il n'y avait pas de règles dans cette famille. Je veux que vous compreniez une chose. À partir de maintenant, les choses vont changer. Est-ce que c'est clair? Bon, ok. C'est terminé? Parce que je voudrais aller me coucher, tu vois. Il ne fait pas ça qu'avec toi. Il le fait aussi avec moi. Felipe ne parle pas beaucoup de la mère de ses enfants. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se sont mariés très jeunes parce qu'elle était enceinte et qu'ils ont divorcé quand Lucas avait 6 ans. Je suis désolée de t'avoir dit que tu avais une dette envers moi. Mais tu as raison. Je me souviens de chaque instant passé, tu sais. Natalia, je ne veux pas que tu le fasses à cause de ça. Tu sais très bien que je ferai tout pour toi. Et la maison, si tu m'en parlais maintenant. Je vais faire mieux. Je vais te la montrer. Regarde. Alors ça, c'est l'entrée. Là, sur la gauche, il y a le salon. Et puis le bureau et là, les escaliers. En face du salon sur la droite, il y a la cuisine et la buanderie. Attends. Tu vas un peu trop vite. Et ça, c'est notre chambre. Je dors de ce côté. Mon Dieu, dis-moi que vous ne dormez pas ensemble. Ne t'inquiète pas pour ça, parce que vu nos relations ces derniers temps, il y a peu de chances que Felipe te touche. Et comment tu peux en être sûre? Parce que la dernière fois que nous l'avons fait, c'était il y a 10 jours, et que l'on peut souvent rester un mois sans rien faire. Je sais pas, si jamais il boit un coup et qu'il a envie, qu'il est détendu. Eh bien, si ça arrive, invente une excuse et évite-le. D'accord? Felipe est le vice-président de la société. Et ses enfants sont Lucas et Gabriella. Il quitte la maison à 8h le matin et revient en général après 19h. Son meilleur ami s'appelle Ivan. Ivan Coyasso. Non. C'est Ivan Cuellar. Ivan Cuellar, c'est ça, Ivan Cuellar. Et
Il est sur l'île depuis un mois et va jouer au tennis avec Felipe tous les dimanches. C'est bien ça, hein? C'est ça, bravo. Et sinon, quel est le nom de l'hôtel, dis-moi, hein? Punta Blanca Resort. Bravo, tu as vu tout juste. Et le nom de la secrétaire de Felipe? Rosanna, oui. Rosanna, c'est ça. Oui. Redresse-toi. Alors, les fourchettes, on les utilise toujours dans le sens extérieur vers intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Mais attention, avant toute chose, tu dois prendre ta serviette. Non, pas comme ça. Et son père, Antonio, est le propriétaire de la chaîne d'hôtels. C'est lui qui l'a créée et il sera le président de la chaîne à vie. Bien. Tu apprends vite, c'est bien. Et comment s'appelle notre employé de maison? Ah non, je m'en souviens plus. Il y a tellement de noms, Véronica. Cécilia. Elle s'appelle Cécilia. Cécilia, Carmen, Carlina, quelle importance. Comment ça? Tu plaisantes? Une erreur comme ça pourrait tout ficher en l'air. Tu te rends pas compte? Bon, tu veux manger quelque chose? Je vais nous préparer du poisson. Non, je m'en occupe. J'ai un cancer, mais je ne suis pas invalide. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je téléphone à Leonardo. Leonardo? Qui est Leonardo? C'est mon ami qui travaille au bar. Et je dois le prévenir que je ne serai pas de retour avant une semaine. Et qu'est-ce que tu lui avais dit exactement? Je lui avais dit que je serais absente de jeudi à dimanche et qu'il fallait qu'il me remplace pendant mon absence, c'est tout. Tu n'as rien dit à personne, n'est-ce pas? Parce que si Felipe se rendait compte de quelque chose... Véronica, je te promets que je n'ai rien dit à personne. Fais-moi confiance. Quand tu auras servi ça, tu apporteras sa note au type de la table 8. Il a déjà trop bu. Et surtout, tu lui dis que s'il essaie encore de te mettre la main aux fesses, j'irai moi-même le mettre dehors. Ça va? Voilà. Je cherche Natalia. Tu l'as pas vue? Non, je l'ai pas vue. Tu sais pas où elle est? Non. Tu sais où est Natalia? Dis-moi où elle est. J'en sais rien. Si, tu sais, tu bosses avec. J'en sais rien, je te dis. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois voir Natalia. Elle, elle a pas besoin de te voir, alors tu t'en vas d'ici. Je dois lui parler. Elle est pas là. C'est important, Leonardo, je t'assure. Oui, je suis sûr que c'est pour lui dire enfin pourquoi tu l'as laissé tomber sans même lui donner d'explication. J'ai pas le temps pour ce genre de choses. Moi non plus, j'ai pas le temps. Allez, dehors, fiche le camp d'ici. Je dois d'abord lui parler. Sors d'ici gentiment, Saul, sinon c'est moi qui vais te faire sortir. Je te le répéterai pas. Merci beaucoup, monsieur. Dis-lui que je suis passé. Et que je dois lui parler, c'est important. Entendu. Quand je la verrai, c'est la première chose que je lui dirai. Oui. D'intérêt. Leonardo fut la première personne à m'avoir vraiment aidée lorsque j'en avais le plus besoin. Quand je suis sortie de prison, personne ne voulait m'embaucher. Et non, j'étais une criminelle. Et puis je l'ai rencontré et il m'a aidée à avoir un boulot de serveuse dans un bar. C'est un ami du patron. Alors voilà, je travaille là-bas, un boulot est un boulot, je n'ai pas à me plaindre. Je suis vraiment désolée. Je n'ai même pas été là pour toi, Natalia. Pour être honnête, j'ai souvent eu envie que tout s'arrête, d'en finir avec la vie une bonne fois pour toutes. Et tu ne me croiras peut-être pas, mais avec le recul, je pense que ça m'a rendu un grand service d'aller en prison ces 3 années. Je vois qu'on est toutes les deux passées par des moments très difficiles. Tu sais, je m'en veux terriblement pour tout ce qui s'est passé. Elles n'existent plus, les jeunes filles que nous étions. Sombres et torturées et si tristes. C'est fini, ça. Tu as raison. Raconte. Ce type du bar et toi, vous... Non, on est juste des amis. Enfin... Il a vraiment été quelqu'un de très, très important dans ma vie. Mais c'est fini, ça. Je suis ici
Et je dois faire sans lui. Bon. On ferait bien d'aller se coucher parce que demain, ce sera une journée très très chargée, je crois. La journée la plus longue de ma vie. Je n'ai même pas réussi à joindre Véronica depuis qu'elle est partie. Son portable est éteint ? C'est ce qu'on dirait, oui. Qui sait, elle est peut-être très occupée avec ce qu'elle a à faire. C'est sûr. C'est un travail considérable de choisir ses nouveaux produits de beauté. Papa, elle aurait pu t'appeler au moins une fois. C'est pas comme si elle était au beau milieu de nulle part. Elle est à l'Oasis. À l'Oasis ? C'est le nom du spa où elle est allée ? Elle va tout le temps là-bas. Faut que tu ailles travailler. Oui. Bien sûr. Toi, t'es là à bosser comme un fou, tandis qu'elle, elle se fait faire de bons petits soins pour son petit corps. Elle va rentrer là comme une fleur en trouvant ça normal. C'est incroyable. Tu me rejoindras à la cafétéria. Tu me revaudras ça, Véronica. Je déteste cette coiffure. Arrête ton cirque! Toi, tu connais toutes les réponses par cœur, tu peux y aller. Dépêche-toi, la prof est sans doute en train de m'attendre. Hé, plus vite! J'espère que tu as bien révisé, Véronica. Oui, madame. Allons-y. C'est... incroyable. Tu es toujours certaine de vouloir le faire ? Je n'ai pas d'autre choix. Je te fais confiance, Natalia. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je voudrais être mise en relation avec une personne séjournant chez vous. Oui, bien sûr. Véronica Esquivel. Je suis désolée, apparemment nous n'avons personne sous ce nom séjournant au spa actuellement. Alors peut-être sous le nom de Véronica Garrido. Oui, un instant. Non, nous n'avons personne sous ce nom. Oui, tout va bien. C'est tellement incroyable de la revoir. Mais j'ai un petit souci, Leonardo. Je ne vais pas pouvoir rentrer demain. Je dois rester une semaine de plus. Tu crois que tu vas pouvoir m'aider sur ce coup-là ? Une semaine de plus ? Écoute, je vais voir avec Sonia si elle peut te remplacer. Mais bon, de toute façon, même si elle ne peut pas, ne t'en fais pas. Je trouverai une solution. Et pourquoi, au juste ? Oh, rien de grave. C'est juste que ma sœur et moi avons tellement de choses à nous dire. Je ne te crois pas, Natalia. Dis-moi ce qui se passe. Je ne peux pas te dire maintenant, mais je t'expliquerai. En tout cas, merci encore pour ce service, Leonardo. Je te revaudrai ça. T'en auras des services à me rendre. Et sinon, raconte-moi, comment ça va au bar ? Quoi de neuf ? Rien, tout va bien, rien de spécial. Toujours les mêmes alcooliques aux mêmes places.
Leonardo va me trouver une remplaçante. Tu ne lui as rien dit, n'est-ce pas? Je lui ai seulement dit que c'était pour des raisons personnelles. Bon, eh bien, je crois que le moment est venu, non? Oui. Voilà la valise que tu emportes, avec mes affaires à l'intérieur. Tu prends ma valise et moi, je prends la tienne. Voici mon portefeuille avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et mes cartes de crédit. Mes autres papiers sont dans ma table de nuit, tu sais, dans ma chambre. D'accord? Donne-moi tes papiers. Pourquoi? Parce que j'en aurais besoin pour aller au Panama. Sinon, comment veux-tu que j'achète un billet? Natalia, nous devons complètement échanger nos vies pendant toute une semaine. Tiens, les voilà. Et voici mon portable. Oh, et toi? J'en achèterai un au Panama en arrivant. Tu dois uniquement utiliser le mien. Mmh. Si jamais tu oublies quelque chose, il y a toutes les infos là-dedans. Mais attention, personne ne doit tomber dessus. Encore une chose, c'est mon alliance. Tu es prête? Non. Je ne suis pas prête. Et je crois que je ne le serai jamais, mais... Mais allons-y. Tiens, voici les clés de la maison et de la voiture. Ok. Les clés de la maison et celle-là, celle de la voiture. Ah oui, une chose. Felipe se gare toujours du côté droit et moi du côté gauche. Fais attention à ce détail, c'est très important. D'accord. Oh, mais Véronica, comment je fais pour rentrer? Je connais pas la route. Rien de plus simple. Le GPS est réglé sur maison. Tu appuies sur le bouton et tu suis les directions. Natalia, j'ai oublié de te préciser un petit détail. Je ne mange pas de viande. Oh, et moi j'adore la viande, Véronica. Enfin bon, c'est pas grave. Je pense pouvoir supporter. C'est juste pour une semaine. Je ne pourrai jamais te remercier assez pour tout ce que tu fais pour moi. Véronica, promets-moi de faire attention et de m'appeler s'il y a quoi que ce soit. Oui, je te le promets. Très bien. Bonne chance avec ton fils. Bonne chance à toi aussi. Et au fait, ton fils, comment est-ce qu'il s'appelle? Tu ne me l'as pas dit. Martin. Il s'appelle Martin. Enfin, si son père ne lui a pas changé de nom, bien sûr. Ah bon? Dis-lui qu'il a une tante qui lui fait des gros, gros, gros bisous, d'accord? Je lui dirai. Je pensais que le problème de la piscine devait déjà être réglé hier. Il l'était, monsieur Felipe. Mais c'était une solution temporaire, non définitive, parce que nous n'avons pas pu trouver les pièces ici, à Punta Blanca. Et depuis quand les préposés au stationnement sont autorisés dans l'hôtel? Les beaux-parents s'appellent Antonio et Maria. Non, non, non. Emilia, Emilia, Emilia. Et ses enfants sont Lucas et Gabriella. Voilà. La secrétaire de Felipe, c'est Rosanna. Et l'employée de maison, c'est Carmen. Non, 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 Carlina, Carlina. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Ah, pourquoi j'ai du mal à m'en souvenir, mon Dieu. Cécilia, c'est Cécilia, Cécilia, Cécilia. Pourquoi je retiens pas ce nom, bon sang? Plage de Carmen. Plage de Carmen. Ok, ok, ok. Bonjour. Bonjour. J'ai une réservation pour un vol vers le Panama aujourd'hui. Oui, c'est à quel nom? Natalia Garrido. C'est exact. Vous avez une réservation pour le vol de 8h30 en première classe pour le Panama. Vous réglez comment? En espèces. Voulez-vous embarquer dès maintenant? Oui, je veux bien. Votre passeport, s'il vous plaît.
La photo a été prise il y a quelque temps. Ah. Bon voyage. Merci beaucoup. Le vol 2285 en provenance de Mexico a atterri. Les passagers sont attendus sortie 2. Salut, c'est moi. Oui, tout va très bien. Elle est en chemin. Oui, elle a appris tout ce dont nous avons besoin qu'elle sache. Bien sûr qu'ils vont se rendre compte que quelque chose a changé. Ne t'inquiète pas, le moment venu, je te dis que ça nous aidera. À droite ou à gauche? À droite. Non, 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 à gauche, à gauche. Voilà. Oh là là. Natalia, dans quelle histoire tu t'es fourrée? C'est l'entrée. Là, sur la gauche, il y a le salon. Puis le bureau, et là, les escaliers. En face, il y a la salle à manger, la cuisine et la buanderie. Bonjour, Madame Véronica. Oh, bonjour. Cécilia. Bonjour, Cécilia. Vous avez fait bon séjour? Oui. Oui, très bon. Laissez-moi prendre vos bagages. Ah, oui, oui, merci. Il y a du courrier pour vous. Je l'ai déposé dans le bureau. Dans le bureau? Oui, dans le bureau de Monsieur Felipe. Ah, oui, 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 je sais. C'est juste que je suis un peu fatiguée. Enfin, je ne suis pas fatiguée d'avoir passé le week-end au spa, mais je viens de faire 2 heures d'embouteillage. C'était horrible. Bien, excusez-moi. Voici Gabriella. C'est son anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Rien du tout. Bon anniversaire. Ça y est, t'es rentré? Oui. Oui, oui. Je suis là. Et c'était comment? Bien. Bien? Le spa bien? Oui, très bien. Et tu t'es bien reposée? Oh oui, ça alors, je suis comme neuve. Tu dois vraiment me prendre pour l'homme le plus stupide de la Terre, Véronica. Dis-moi la vérité. Où étais-tu?
Au spa Oasis. C'est faux, je sais que tu n'y étais pas. J'ai appelé l'Oasis pour te parler. On m'a certifié que tu n'y étais pas. Alors maintenant, dis-moi une chose. Où étais-tu ces 3 jours? Et avec qui, au juste ?